Yo, les potos, c'est Virus, glitch du don de véhicule. Les potos, petit rappel et du nouveau pour ceux qui viennent d'arriver sur GTA, qui connaissent pas le glitch. Donc les potos, pour ceci, bien sûr, il faut être deux. Donc je vais vous montrer ce que fait le poteau pour pouvoir me donner un véhicule. Donc merci à French, excusez-moi d'être venu me donner un coup de main. Donc là, ce que je vais faire, je vais me préparer à le tuer. Il va me dire quand il est prêt. Donc je vous montre ce qu'il fait. Donc lui, en attendant, il rejoint deux, trois fois une personne qui joue en mode de visite différente. Quand il est prêt, il me le dit. Moi, je vais le tuer. Donc je vais rejoindre, il rejoint deux, trois fois une personne en mode de visite différente. Donc ça, c'est juste le donneur pour le receveur. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Donc là, une fois qu'il est prêt, il me dit qui je le tue. Là, il a rejoint quelqu'un en mode de visite différente. Il refuse le message et tout de suite, il se met sur le rond pour entrer dans le casino. Donc là, il y avait un écran noir. Il a rejoint une deuxième fois la personne en mode de visée différente. Ça l'a sorti de l'écran noir. Donc là, une fois qu'il est buggé, on va passer au don de véhicule, les poteaux. Donc là, voilà, les poteaux. Je vais recevoir ce véhicule-là. Le donneur, il est prêt. Donc moi, ce que je vais faire. Je vais monter dans ma RH8 qui vient de mon mock. Lui, il va monter à côté de moi. Alors, les poteaux, s'il n'arrive pas à monter, vous mettez en club de motards ou en PDG. Vous l'invitez dedans, il rentre dans le club de motards et vous démissionnez dans la foulée. Ça va permettre qu'il puisse monter dans votre véhicule. Donc là, je l'invite dans mon club de motards. Lui, il va accepter le club de motards. Il y a des fois, ça arrive. Il y a des fois, vous n'êtes pas embêté. Il peut monter directement dans le véhicule. Donc là, il me dit qu'il ne peut pas monter. Je l'avais dans mon club. Il accepte mon club. Je démissionne dans la foulée. Et là, il pourra monter dans le véhicule. Donc c'était une petite aparté. Donc là, les poteaux, vous allez vous diriger au cul du mock. Vous allez faire flèche de droite. Vous êtes freeze. Le poteau, il va descendre. Il va remonter. Je vais me présenter à la porte d'entrée du casino. Là, je vais choisir parking, je vais faire PS, je vais revenir sur le jeu. Et là, on va attendre 45 secondes, les poteaux. Donc, au bout de 45 secondes, lui, le poteau qui vous bug, il vous voit invisible. Enfin, il vous voit plus. Une fois que vous réapparaissez, il peut faire triangle pour descendre du véhicule. Sinon, si vous n'êtes pas sûr, vous attendez 45 secondes à 50 secondes, il descend du véhicule. Et vous allez voir ce qui se passe. Donc on va attendre 45 secondes. Les poteaux, je le rappelle, c'est juste une petite mise à jour du temps de véhicule. Donc là, les poteaux, je suis en écran noir. Je vais rejoindre quelqu'un qui joue en mode de visée différente. Je vais accepter le premier message, je vais refuser le deuxième. Donc là, j'ai la récupération, j'accepte le premier, je refuse le deuxième. Écran noir. Là, je vais faire en ligne. Je vais ouvrir le pack d'entrée criminelle. Je vais le refermer. Je vais faire triangle. Et là, je vais tomber sous la map. Donc là, c'est bon les poteaux, j'ai plus qu'à monter dans le véhicule du collègue qui me donne son véhicule. Alors les poteaux, vous avez deux choix. Soit vous le faites en fast méthode au cul du mock, mais ce qui risque d'avoir un écran bleu, ou vous le faites en invitation mock. Moi, je vous conseille l'invitation mock si vous êtes plusieurs dans la session. Ça vous évite d'avoir un écran bleu. Donc merci à Kader pour nous avoir créé tous ces véhicules qui seront distribués bientôt en don de véhicules. Donc là, le poteau m'a fait l'invite mock. Je vais accepter. Je vais avoir un écran noir. Je vais rejoindre la personne qui joue en mode de visée différente. Encore une fois, je vais accepter le premier. Je vais refuser le deuxième. Donc j'accepte le premier. Je refuse le deuxième. Là, je suis freeze. Donc là, vous allez attendre pareil une quarantaine de secondes. Et vous allez spawn dans votre mock. Donc je me répète, c'est un rappel pour les anciens et c'est une mise à jour pour les nouveaux arrivés
dans GTA. Donc soyez prêts, regardez bien la vidéo pour les dons de véhicules qui se font tous les jours. Ça vous évite de devoir poser des questions à ceux qui font des lives, les poteaux. C'est pas un problème, mais c'est une perte de temps pour les dons. Donc là, vous allez voir la minimap, elle va réapparaître et je vais spawn dans le mock. Donc là, vous avez vu, la minimap elle est réapparue, je vais spawn dans le mock. J'ai un écran noir, pas de problème. Et voilà les poteaux. Le véhicule y est dans le mock. Donc là, pour le confirmer, ce que vous faites, vous descendez avec le véhicule et vous le renvoyez dans le mock. Il sera enregistré. Donc voilà les poteaux. Don de véhicule. Donc encore un gros GG à Kader pour toutes les créations qu'il a pu nous faire ces derniers temps. On est à plus de 200 véhicules. Et merci à French d'être venu me donner un coup de main pour la vidéo. Moi je vous dis bon glitch à tous. Profitez-en bien. Allez, ciao les poteaux. Ciao. Bye.